Deuxième jour. Le paddock à 8h du matin, c'est comment? La souffleuse, c'est tôt. Ouais. J'ai à dire, la souffleuse. Alors merci au responsable de l'arbre qui tue, la buvette, qui nous a offert 3 cafés avant l'heure d'ouverture. Sans ça, vous nous... 9 balles, il nous les a offerts avant l'heure d'ouverture. Donc, alors ce serait con de se faire écraser par la Croix-Rouge. Hein, voilà. Donc voilà, écoutez, on va aller voir un petit peu 2-3 personnes avec qui on a rendez-vous et bah, on va laisser la journée se passer. Donc deuxième jour, aujourd'hui départ, tout à l'heure, dès 24h. Je vois avec la Ferrari en pôle. On a dormi combien de temps, messieurs? Bien assez de temps pour le dire. Avec les ronflements d'Andy, une heure en moins. Voilà, comme ça ce sera vlogué. Vous voyez, on est du côté des Lamborghini Trofeo ici. Donc il fait très calme, on n'entend pas un bruit. On entend juste le vent dans les arbres, dans les sapins. Quelques boulonneuses, hein, ça commence. On est à 1h des premières activités sur le circuit. Et vous voyez que le paddock est assez calme, il n'y a pas grand monde autour de nous. Hein, voilà. Bon, après on va voir où tout cela va nous emmener, évidemment. Produit Racing, évidemment, pour nettoyer le pare-brise, lol. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve plus tard avec, je pense, déjà des voitures en plus. Vous voyez que ça commence à arriver. Il y a l'entretien, les nettoyages, les speakers. Tout le monde est en train d'arriver. C'est aussi une autre ambiance qu'Andy découvre, hein, parce que c'est pas toujours avec plein de monde. Un paddock peut être aussi vide. Hein, L'autre version, voilà. Même à la fin de la course, l'ambiance. Voilà. On va voir.
passer. Thank you.
sur la piste de karting. Incroyable, on est en essai libre, incroyable Andy. Hein. Ouais, c'est excellent. Tu as quelle voiture toi du coup? Alors moi j'ai la Mercedes qui va passer vite là. La MG blanche? Moi, c'est la MG officielle qui est dans la. C'est sourire, droit, un peu moins sourire, virage, vitesse, avec les voitures de GP3. Tu savais qu'il y avait des 24 heures de sport en Skalectri? Je me fais rentrer dedans, incroyable. C'est moi. Et vous pour la course, c'est les nouveaux pilotes. Je chasse Andy. Je casse. Et en gros, je peux pas, c'est ici. Bah, faut bien, hein. Parce que sur iRacing, c'est pas après d'arriver. Hein. On va te foutre la gerbe à tous les gens sur le vlog. Faut faire les pressions. Regarde ça le professionnel. Voilà, regarde ça. Incroyable. Ah, la BOP. Allez, la course, on fait ça sérieux. SRO égal à lui-même. Les enculés. Voilà. Tu mènes 10 tours de Scalextric sans faire une seule erreur. Et la voiture s'arrête à 30 cm de l'arrivée, plus de jus. Et tu finis P2. Je fais P3 parce que je suis nul. J'ai bien fait de monter, d'expliquer que je roulais en bout de riche sur ma BM. Dommage. Je devais changer de pneus. Y'a pas de champagne. Bah tu vois, la prochaine fois que je change de pneus, je vais payer. Et je m'arrête 40 cm avant la caisse, tu vois. Quand ils ont monté mes pneus. Incroyable! Le sel! C'est cool, merci beaucoup, merci. Your feet, not as you weighing you down.
ever wonder why me and you couldn't be? And the truth is I don't think about it often, honestly, girl. Who do you think you're fooling? Every caption that I read, I see through. What you want me to believe is the truth. I'm
gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Disque bloc, avant, disque bloc. Arrière. Alors là, t'as les autres feuilles, mais celle-là, je peux pas te laisser filmer, mais c'est des feuilles un peu plus confidentielles. Ok, bon, merci, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, je sais pas si vous m'entendez, on est chez les leaders. La course a commencé il y a un peu moins d'une heure. On est chez Kaspersky.